acclamerai pour le Seigneur. Alléluia. On peut s'asseoir, que Dieu nous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit sur nous. Amen, 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 amen. Est-ce que ça va aujourd'hui? Est-ce que tu es content d'être à la présence de Dieu aujourd'hui? Amen, amen, amen. En tout cas, moi, je suis béni d'être là et de partager ces moments forts, puissants, ensemble, ces moments d'impact. Je crois que tu es parti la fin d'ici sans être révolté, révolutionné par la puissance de Dieu. Alléluia. Avant de commencer, je voudrais rapidement faire les civilités et saluer de manière particulière la servante de Dieu, loin de Dieu, l'apôtre de la maison qui nous reçoit, qui a ouvert les portes de ce beau bâtiment. Ici, j'aimerais qu'on se tienne debout pour acclamer Dieu pour l'apôtre qui est là. Yes! Que Dieu te bénisse. La grâce du Seigneur soit sur toi. Et je suis béni d'être là et de voir l'œuvre que tu fais, que tu as là par la grâce de Dieu. Et à tout moment, si tu as besoin de moi, je suis là. Comment? C'est déjà dit, dans le but dans lequel tu vois tout le monde, si tu as besoin de moi. Donc, je crois qu'on va venir, je vais aider à faire le programme ici, il n'y a pas de problème. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et puis, pour moi, c'est ma deuxième vie. Donc, à chaque fois, au fait qu'on se prépare pour les croisades, pour les programmes de masse, pour secouer la ville de Bangui, pour secouer Gonzaga, pour secouer Jean Folie, je veux dire, tout ce territoire sera embrasé par la puissance de Dieu. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Yes! Yes. Ready. Je veux bénir Dieu pour mon fils, l'apôtre Bawa, que Dieu te bénisse. Pour tout le travail que tu as fait. Yes! On continue en avant pour le réveil. Amen. Je veux saluer tous les hommes de Dieu, tous ceux qui sont dans le salon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je veux spécialement saluer aussi mon fils, prophète Abizi, pour tout le travail que tu as fait. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Pasteur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Si tu es là, que tu as été invité et que tu veux voir ce qui se passe, pourquoi on est là, ou bien tu veux t'enquérir de ce qui se passe, que Dieu te bénisse. Tu ne passes pas ici sans avoir reçu ton besoin. Alléluia. 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 Maintenant, avant que tu t'assèles, je veux que tu ailles vers 12 personnes et tu lui dis, Dieu t'a oué. Sois prêt à exploser dans le ministère. Dis ça, dis seulement cette parole. Tiens, non, ne tire pas dans le ministère, Dieu dit ça. Dieu t'a oué. Tu vas exploser dans le ministère. Il est bon, 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 il est
Alléluia. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Alors nous avons deux jours de rencontre, deux jours de temps, je veux dire de temps surnaturel, de temps de prière. Je suis conscient que le plus souvent lorsque nous, les pasteurs, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, bien lorsqu'on parle de classe ou école de ministère, on a beaucoup d'enseignements. Et je sais que vous avez été bénis par les plus grands enseignants de la parole. Pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà fait des séminaires, des écoles bibliques, des écoles de formation, des écoles de théologie, des écoles pastorales, des écoles pastorales. Alléluia. Et la plupart d'entre vous, vous avez certainement des diplômes, vous avez certainement des certificats, des attestations, vous avez beaucoup de documents, vous avez des tableaux de, comment dire ça, sur les murs, dans vos bureaux, tout ça. Mais si tu es là, c'est que tu veux plus que ça. Amen. Alléluia. 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 Je sais que j'ai pas mal d'expériences que je peux partager avec vous pour ceux qui veulent grandir dans le ministère. Mais ce que je viens apporter, je ne viens pas vous apporter, comme on appelle ça, un enseignement de leadership. Vous n'avez pas besoin de ça. Même si vous aimez le leadership, vous n'avez pas besoin de ça actuellement. Je ne viens pas vous apporter un message de développement personnel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je viens apporter un message d'onction. Parce que... c'est vrai que moi j'écoute beaucoup, je lis beaucoup, je me forme beaucoup, je m'instruis beaucoup. Mais ce qui me fait grandir, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est l'onction de Dieu. Donc, ce de quoi je vais parler, partager avec vous, c'est peut-être quelques petites expériences et quelques moyens rapides pour pouvoir développer la grâce que vous avez eue. Que quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Je sais que Dieu est sur le point de bénir, de restaurer quelqu'un sur le plan ministériel. Restaurer quelqu'un sur le plan du ministère. Alléluia. Alléluia. Donc si tu veux prendre des notes, ce sera bon. Si tu veux, qu'on appelle ça, enregistrer, ça dépend de toi, peu importe. Si tu as la capacité de retenir les choses, aussi, tu peux le faire. Alléluia. Alléluia. Donc, j'ai la grâce de partager avec vous pendant deux jours expérience et onction. Ça veut dire ce qu'on appelle, ce qu'on dit en anglais, mais bon, on n'arrive pas à traduire exactement en français. C'est de libérer ce qu'on appelle impartition. Ça veut dire transfert d'onction. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose de fort, prophète. Il y a quelque chose de fort que Dieu va faire avec vous. Quelque chose de puissant. Vous êtes prophète, non? Tu es prophète. Voilà. Quelque chose de fort et de puissant que Dieu va libérer, que Dieu va faire avec vous. Et aujourd'hui, de manière spéciale, je veux libérer cette onction et cette grâce. La grâce de Dieu, l'onction de Dieu sur ta vie. Et une bénédiction, une grâce. Amen. J'entends restauration. J'entends restauration. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est attaché à ton ministère ou bien si c'est quelque chose que tu vis. Mais j'entends restauration. Et maintenant, ça devient précis. J'entends restauration de la parole. J'entends restauration de la parole. Alléluia. C'est Israël. Le salon. Et je t'entends restauration de la parole. Le nom de son ministère, c'est quoi? Comment le nom de son ministère, c'est quoi? Restauration de la parole. Non, il y a une autre. Parole est bénie.
restauration de la parole révélée. L'Esprit de Dieu nous charge. À partir du mois de mai, dans ce mois, c'est un tournant décisif de ton ministère. Tu rentres dans une dimension que toi-même tu ne comprends pas et que les gens autour de toi ne comprennent pas. L'Esprit de Dieu me montre que tu sors du temps de jeûne, de prière et de consécration. Et tu es même sur le point de repartir encore dans ce temps de jeûne. Tu veux aller même jusqu'à 30 jours, au-delà même jusqu'à 40 jours. L'Esprit de Dieu me révèle que Dieu t'a déjà parlé. Il t'a parlé par des songes, il t'a même donné une vision. Le Saint-Esprit est sur le point d'accomplir des choses que tu as attendues depuis 7 ans. À partir du mois de mai, tu rentres maintenant dans ce que j'appelle l'accélération de la prophétie. Les choses vont tellement aller vite que toi, tu n'as pas compris. Pendant que je parle, il y a comme une onction royale, je vois comme une couronne sur ta tête. La gloire de Dieu a commencé à se révéler et a commencé à se manifester. Tu rentres dans une dimension prophétique, dans une dimension de délivrance, parce que la gloire de Dieu a mal égoré. Délivrance, c'est un peu comme si ce mot était attaché à ton ministère. C'est comme si c'était attaché à ton ministère. Quel est le nom de son ministère? La délivrance de ça. Wow. Come on, papa. Je vois une onction de délivrance brute. Yes. Une onction de délivrance brute. Yes. Qui a commencé avec feu. Tes sorciers, la sorcellerie a été déstabilisée facilement à travers ton ministère. Comment? Tes démons sont dévoilés, tes esprits sont déstabilisés. Mais quand tu as commencé avec feu, il y a eu des attaques après. Il y a eu des violentes attaques. Yes. Le diable a attaqué ton ministère. Il a attaqué ta famille. Et l'Esprit de Dieu est entré. J'entends le nom qui prie. Il ne sait pas si. C'est ton nom de famille. J'entends qui prie et je vois une femme. Quelle femme de prière qui te soutient. Le nom c'est Anne. Le nom c'est Anne. Le Saint-Esprit me révèle que c'est ton épouse. Il y a une onction brute et puissante. Le Saint-Esprit de Charles te dit qu'à un moment du ministère, tu as été découragé parce que pas de soutien. Pas de force. Tu n'avais même pas envie de continuer. Tu avais même, tu étais tenté de tout abandonner. Quand Anne t'a dit ne baisse pas les bras, elle a commencé à intercéder et à rentrer en jeûne et en prière. L'Esprit de Dieu me charge de dire, il relève ton ministère de manière surnaturelle. Tu ne vas pas comprendre les choses qui vont t'affecter. Parce que quelque chose de surnaturel t'a localisé. C'est la gloire de Dieu sur ta vie. Il y a comme un feu de fleurons qui se manifeste à travers. Yes. Bouti papa. Je vois le 07-07-75. Je vois 37, je vois 92. C'est ton numéro? Acclame le Seigneur, acclame Jésus, les gars. Le Dieu les esprits pour vous mettre là. Juste pour te révéler que Dieu te connaît tellement qu'il connaît tous tes sujets de prière. Il connaît tous, my God. Je vois la main de Dieu de manière authentique et puissante avec ta vraie voix. Dieu me chante de te dire, mon fils, c'est moi qui te parle. Oh. Ne perds pas espoir. Tu as demandé mon onction est sur toi. Ah. L'onction que tu as manifestée pour détruire la sorcellerie, elle se manifestera 7 mois par jour. C'est un transfert d'onction. Je lui libère la gloire. Ramène-le, c'est comme un transfert. Aujourd'hui, il y a des personnes qui vont recevoir. Faites l'onction que tu as cherché pendant 10 ans, 15 ans. Ça descend sur toi. Yes. Pauvre sera embrasé par ton ministère et par la puissance. Ton ministère va commencer à monter.
Je dis ton ministère va commencer à entrer dans une autre vie. Yes. Tu montes dans une dimension de surnaturel. Yes. My carayanto shi. Rekadana sonne de bosu. Comme il s'appelle? Il s'appelle Roland. Roland qui prend. Il y a une grâce, il y a une option sur ta vie. Il y a une option sur ta vie. Il y a une option. Homme de Dieu, c'est ta saison. Yes. Le Saint-Esprit m'envoie ce jour et il m'envoie encore demain pour te communiquer ce que tu recherches de Dieu. Ce que tu allais chercher dans les écoles pastorales, dans les écoles théologiques, dans les séminaires de formation, dans les entretiens de pasteurs. Je suis en train de recevoir cela aujourd'hui. Par de l'onction du Saint-Esprit. Je reçois le pas du revêtement de la puissance. Je reçois. Il y a quelque chose de surnaturel qui te localise. Je reçois. Tu rentres dans une dimension de surnaturel. Tu rentres dans une dimension de yes. Pendant que tu es loin du Saint-Esprit, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu te dévance. Ça veut dire que Dieu se manifeste avant même que tu ne te parles. Je déclare le nom puissant de Jésus. Je reçois une onction pour les apôtres. Yes. Si tu es apôtre, ça veut dire que Dieu t'établit et Dieu s'établit à travers toi. Quelqu'un lève les mains. Si tu es prêt, tu reçois quelque chose. Dans les 5 prochaines minutes, je vois une femme, je vois un homme rentrer dans une dimension de surnaturel. On ne pourra pas te saisir, on ne pourra pas contrôler le mouvement de l'esprit. Dans les 5 prochaines minutes, je vois un homme à qui Dieu a promis, Dieu a parlé. Tu as vu dans ce son, dans cette vision, ton Dieu commençait à se manifester. Tu t'es vu en train de guérir le fou, guérir la folie, guérir la folie, chasser les démons, ressusciter les morts, lever le paralytique. L'onction de miracle, l'onction de surnaturel est sur toi maintenant. Yes, yes. Pendant que tu as les mains levées, dans les 3 ou 2 prochaines minutes, il y a une onction qui tombe sur tes mains, sur ta tête, dans tes pieds, sur ta gorge, et tu es revêtu de quelque chose de surnaturel. Tu ne peux pas sortir de ce programme de prière sans la touche du surnaturel. Tu n'es pas venu ici pour recevoir des enseignements trop élevés. Tu es venu avoir de l'expérience avec le surnaturel. Yes. Tu sors d'ici, tu vas commencer à voir des choses dans l'esprit. Yes. Tu sors d'ici, tu vas commencer à lever le pas. Yes. Tu sors d'ici, tu vas commencer à voir, à prêcher avec puissance. Yes. Je prophétise et je déclare. Le ciel est ouvert sur notre Dieu. Le ciel est ouvert sur le serment de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste maintenant. Même. Mais quand la main sur le bois, Amen. Récanal à saut. Guide pour tous ceux qui les battent. Il y a quelqu'un qui est né un 31 mars ici. My God. David, come on. Récanal à saut. Jesus. Le surnaturel est avec toi, même. Yes. La gloire et la grâce de Dieu sont sur toi. Hey. Tu es tellement honte. Dieu me chante de te dire, ne regarde pas aux circonstances qui te sont arrivées dans ta famille. Hey. Je m'occupe de ça. Ne regarde pas ce que tu as traversé. Ne regarde pas ce que tu as vécu. Mais regarde à là où tu vas. Parce que mon nom est sur toi. Alléluia. Mon esprit est sur toi. Yes. La grâce se manifeste sur toi. Yes. Je vais apporter la confusion autour de toi. Oh. Parce que je t'ai choisi. Avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, hey. Je t'ai appelé. Hey. Mon esprit est sur toi. Jesus. J'ai une dimension prophétique. Et il y a une onction apostolique. Hey. Je t'ai moins pour être une mère. Une mère de serviteur de Dieu. Alléluia. Tu vas enfanter des hommes. Tu vas enfanter des hommes d'affaires. Tu vas enfanter des femmes. Jesus.
Je t'envoie dans le miracle et dans le surnaturel. Tu vas expérimenter des choses. Parfois tu te poses des questions. Seigneur, tu m'utilises pour guérir les autres. Mais pourquoi tu ne guéris pas dans ma maison? Je me sens de te dire. Yes. Que Dieu t'a oint. Yes. Ta grâce est sur toi. L'onction est sur toi. Ne regarde pas à ce qui se passe dans ta maison. Continue le ministère. Prêche avec amour. Prêche avec puissance. Ma grâce est sur toi. Alléluia. Je me sens de te dire. J'ai déjà ouvert une porte. Une porte financière. Une porte de miracle. Il y a une vision d'un établissement. Je pense, je vois une école qui sera construite ou bien qu'il y a un projet d'école. Si je vois la main de Dieu qui a déjà commencé à financer ce projet. Alléluia. Une puissance de Dieu se manifeste. Dieu me soit le tenu, c'est ta saison. Je vois ce mois de mai dans lequel on a où tu rentres dans une dimension d'accomplissement. Yes. Je vois l'accélération de l'accomplissement. Je vois la puissance de Dieu se manifester. Ton Dieu est avec toi. Continue. Mariam Dossé. On s'assoit dans la classe. On s'assoit. Chalalalas. Rekinibus. Rekabalaha. Skorobos. Rekinabas. 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 On va monter dans les dimensions graves. Rekinabas. Rekinabas. Amen. Je suis venu t'épater avec l'onction du Saint-Esprit. Je sais que tu as reçu beaucoup de paroles, beaucoup de messages, beaucoup d'enseignements. Mais maintenant, tu as besoin d'onction. Qu'on se dise la vérité. Tu as besoin d'onction. Tu as besoin d'onction. Tu as besoin d'un niveau d'onction pour rentrer dans les bénédictions et dans les choses surnaturelles. Et je sais que Dieu est sur le point de faire. Amen. Et je sais que Dieu va le faire. Pendant que tu écoutes cette parole, tu rentres et tu te connectes déjà à une grâce surnaturelle. Yes. Une dimension surnaturelle. Alléluia. Écoute-moi bien. Pendant ce temps qu'on va passer, peut-être 30 minutes ensemble, il ne faut pas résister à ce que Dieu est en train de faire. Si l'onction tombe sur toi, ce n'est pas grave. On est tous des hommes de Dieu. Yes. Si la gloire de Dieu te secoue, ce n'est pas grave. Si tu tombes sur l'onction, ce n'est pas grave. Il ne faut pas déjeuner. Ne lutte pas avec le mouvement. Parce que quand tu vas ressortir d'ici, tu vas rentrer dans des expériences que tu n'as jamais eues. Tu vas voir des choses. Tu veux voir dans l'esprit, écoute, la voyance de l'esprit, ça ne s'explique pas, ça ne s'enseigne pas, ça se communique, et c'est les expériences que tu vas commencer. Yes! Tu veux vivre le signe de prodige, tu vas voir cela se manifester. Amen. Il n'y a pas de mathématiques dedans. Tu vas recevoir par la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir? Alléluia! My God. My God. My God. 31 mars, je vois 15 mars quelque part. 15 mars, lève ta main. Je vois 15 mai, lève ta main. C'est toi. Hey! Hey! Oh! My God, my God, my God. Je déclare dans le nom de Jésus, c'est le ciel ouvert sur ton ministère. Ta saison, parce que tu te connectes à ce moment de réveil, tu deviens toi-même le réveil. Tu deviens toi-même le réveil. Ça sera tellement fort. Pendant que je vois 15 mars ici, je vois une autre connexion avec un autre chiffre. Je vois 2 décembre. Je vois 15 mars, je vois 2 décembre. Je vois 2 décembre, 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 et j'arrive là-bas. Quelque chose est sur le point de se manifester pour toi. Mon fils, toi-même, tu deviens le réveil. C'est-à-dire que ta présence va libérer une atmosphère de gloire, une atmosphère de victoire. L'onction est sur toi. La grâce est sur toi. Continue, continue, continue. Alléluia. On s'assoit avec Jésus. On s'assoit avec Jésus. On s'assoit avec Jésus. On s'assoit avec Jésus. Aidez-moi à lire 2 Rois le chapitre 2. Alléluia. Deux Rois, chapitre 2. Alléluia. Pendant qu'on lit. Alléluia.
quelque chose de surnaturel sur toutes les choses, simplement par la lecture. Simplement par la lecture. Il y a quelqu'un qui va se démarquer. Qui va se démarquer de ceux que j'appelle les fils des prophètes. Et qui va devenir Élisée. Alléluia. Il y a quelque chose de différent qui va se produire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Rois chapitre 2. On va du verset 1. On va lire. En fait, le message sera la lecture. On va lire et aller jusqu'au verset 15. Alléluia. Amen. Vas-y, fils. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitte le point. Et ils descendirent à Bethel. Amen, amen. Lorsque l'Éternel fait monter Élie dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il dit quoi? Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Verset 3. Le fils d'un prophète qui était à Bethel sortit d'Élisée. Et il lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais. Voici que les fils des prophètes qui font partie de ce qu'on appelle les élèves prophètes, les étudiants prophètes, les séminaristes prophètes, ou bien peut-être on peut dire les fils spirituels d'un prophète majeur, ils sont fils de prophètes. Ils sont une cinquantaine à Bethel, une cinquantaine dans chaque territoire. Ils sont nombreux. Et eux tous ont la capacité de discerner les temps et les saisons. Eux tous voient, eux tous prophétisent, eux tous sont dans une dimension surnaturelle. Et Élisée aussi est au même niveau de dimension que eux. Et eux viennent apporter une information ou une révélation ou une prophétie à Élisée. Il dit, voici ce que nous avons reçu. Nous avons vu dans l'esprit, nous avons vu par songe, nous avons vu par vision que ton père spirituel s'en va, il sera enlevé. Disez-vous, moi aussi je sais. Yes. Beaucoup de personnes viendront avec leur prophétie, mais toi tu as ta prophétie aussi. Comment? Dis-leur de se taire. Yes. Dis-leur de se taire. Yes. Parce que Élisée ne veut pas seulement rester au niveau de fils de prophète. Élisée veut aller plus loin qu'être un fils de prophète. Élisée veut avoir la toute portion de l'onction de son père spirituel. Beaucoup de personnes sont fils de prophète, fils de l'onction, fils. Amen. Je veux dire, on est tous au même niveau prophétique, mais ça ne doit pas être suffisant. Élisée a décidé de se connecter à la source, à la personne qui serait capable de lui léguer le tout manteau. Regarde ton voisin, pose-lui la question. Tu es un fils de prophète ou bien tu veux la double portion? Question. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, spécifiquement dans la commune de Pont-Boué, tu ne sais pas combien de pasteurs, combien d'églises nous avons, nous sommes nombreux. Mais Dieu cherche quelqu'un qui va se démarquer de fils de prophète, quelqu'un qui va sortir avec une différence. Tous on prêche, tous on prophétise, tous on chasse les démons. Mais qui va sortir du lot? Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes! Est-ce que tu es révolté pour dire que je dois sortir du lot? Je dois sortir de tout ce que les gens font dans le monde. Il faut que je sois différent. Alors les autres disent, abandonne, laisse ton père spirituel là. Il s'en va, c'est fini, son temps est fini. Son temps est passé. Il dit tant qu'il est encore sur la terre, son temps n'est pas fini. Yes. Son temps n'est pas fini. Il savait ce qu'il voulait, il savait ce qu'il cherchait. Il se connectait à la personne. Continue, on est où? Verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. La même chose. Je ne te quitterai point. Verset 5. Le fils d'un prophète qui était à Jéricho s'approcha d'Élisée et lui dit,
Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il lui répondit, je le sais, taisez-vous. Tiens ton voisin, je le sais, tais-toi. Je le sais, tais-toi. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Verset 6. Et lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous deux leur chemin. Verset 7. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance, vis-à-vis d'eux, s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et on frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Je ne veux pas prêcher aujourd'hui, je ne veux pas vous prêcher, mais je veux vous communiquer certaines choses. Alléluia. Et même moi, ici, les fils des prophètes qui se sont assemblés maintenant au Jourdain. Quelqu'un me dit le Jourdain. Le Jourdain. Alléluia. Le Jourdain, lorsque vous voyez le Jourdain dans la Bible, le Jourdain, c'est la frontière entre Israël et le désert. Lorsque le peuple d'Israël quittait le désert, la première chose qu'il rencontre, c'est le Jourdain. Il doit traverser le Jourdain à sec, c'est-à-dire voir le même miracle que Dieu a opéré lorsqu'ils avaient vécu la miracle de la mer rouge. Il fallait qu'ils traversent. Donc le Jourdain, c'est la séparation entre la terre promise et le désert. Mais ici, Élisée est en train de quitter la promesse pour entrer dans le désert. Et là, à ce moment-là, les fils des prophètes ne peuvent pas continuer le chemin. Ils peuvent partir de Gilgal à Bethel, de Bethel à Jéricho, de Jéricho, arriver au Jourdain, la Bible dit qu'ils s'arrêtent là. Il y a un niveau de grâce et d'onction que tout le monde ne peut pas atteindre. Vous devez traverser une frontière. Vous devez traverser une frontière. Ici, je ne parle pas de tous ceux qui ont la connaissance, la révélation, ou bien qui ont la théologie, qui ont l'instruction et les stratégies du monde. Je parle de ceux qui vont traverser le Jourdain, qui vont traverser la frontière et rentrer dans les endroits qui n'est pas permis aux autres qui sont à l'aise. Et lorsque tu traverses le Jourdain, il te faut un miracle surnaturel. Tu es passé. Je prophétise et je déclare à quelqu'un. Certainement que tu es fatigué de la vie, tu es fatigué du normal. Mais l'Esprit de Dieu me charge de te dire, tu dois traverser le Jourdain. Regarde quelqu'un qui dit, on va traverser. Traverser. Les fils des prophètes, ils sont à distance et puis ils regardent. Oh, je ne sais pas à qui je parle ici. Ils seront à distance et puis ils vont te regarder. Ils vont te regarder, ils vont dire, toi, pourquoi tu prends ton temps pour suivre le mouvement? Pourquoi est-ce que tu vas dans ce mouvement de réveil? Est-ce que tu penses que ça va prendre? On a tellement de groupes de mouvements, tellement d'associations. On est allé dans tous les séminaires. Est-ce que ça prie? Mais eux, ils vont être là au Jourdain. Ils ne peuvent pas traverser. Ils ne peuvent pas aller avec eux. Tout ce qu'ils vont faire, c'est de t'assister. Tout ce qu'ils vont faire, c'est de regarder. Regarde-les et regardez. Pendant que tu traverses, je prophétise à quelqu'un. Il y a un niveau du ministère où il te faut traverser avec le surnaturel. Parce que naturellement, tu ne peux pas traverser le jour. Par tes moyens financiers, tu ne peux pas traverser le jour. Par tes stratégies humaines, tu ne peux pas traverser le jour. Il te faut le manteau d'Élie pour frapper le jour. Il te faut un surnaturel. Pour frapper le Jourdain. Il y a un Jourdain que je veux traverser. Yes. Mais humainement parlant, je ne peux pas. Je essaie de par mes forces, je ne suis pas arrivé. Je essaie de par mes stratégies, je ne suis pas arrivé. J'ai lu des livres, ça m'a pas aidé. Bien sûr, quand il y a des conférences, ça ne m'a rien fait. Oh. Maintenant, il me faut un manteau de chasse. Il me faut quelque chose. Yeah. Il me faut quelqu'un. Alors, Élie prend son manteau. Il roule le manteau et il frappe le manteau. My God. Yes. Je sais que Moïse avait utilisé son bâton pour séparer la mer rouge. Josué a utilisé l'arche éternelle pour séparer le Jourdain. Même Élie, il y avait une autre dimension. Je prophétise que je le dis. Dans le passé, mais c'est pas la même façon avec toi. Yes. Ce n'est pas la même façon avec moi. Yes. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Amen.
Moïse a pris son bateau, l'a séparé la mer rouge. Josué a pris l'arche de l'Éternel, l'a séparé aujourd'hui. Élie a pris son manteau pour séparer aujourd'hui. Mais Jésus, lorsqu'il voit la mer, il marche. Quelque chose de surnaturel. Quelqu'un va vivre quelque chose de différent. Yes. Ils t'ont vu manifester des choses. Mais maintenant, je t'en prie. Je t'en prie. Traverser aujourd'hui. Avec quelque chose, tu viens dans une dimension que n'ont pas expérimenté. Yes. Je veux Dieu se manifester par le parler en langue. Yes. Je veux Dieu se manifester en chassant les démons. Yes. Je veux Dieu se manifester par les délivrances. Hey. Moi, tu viens avec une dimension. Yes. Ce que l'œil n'a pas vu. Hey. Ce que l'œil n'a point vu. Hey. Ce que le peintre monte au cœur de l'homme. C'est ce que Dieu a préparé. Regarde ton voisin, Dieu. Si tu es fils de prophète, tu vas me voir en train de traverser les choses. Come on! Yes! My God! Il prend son manteau. Et puis il frappe les choses. Et les deux traversent. Et les autres sont en train d'assister à la traversée. Il y a des gens qui vont assister à ta traversée. Yeah! Yes, pour ceux qui t'ont critiqué, hey! Pour ceux qui ont parlé, voilà ça. Pour ceux qui t'ont méprisé, ils vont te voir traverser. Eux ne peuvent pas traverser. Non. Eux se posent des questions. Eux sont dans une dimension où ils voient en songe, ils voient en vision. Mais toi, tu es dans une dimension où tu traverses. Comment? Aïe, 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 tu traverses. Beaucoup de personnes peuvent être à ton niveau. Moi, souvent, lorsque tout le monde est à, lorsque je suis au niveau de tout le monde, ça m'énerve et ça m'évoque. Il faut que je passe à l'autre niveau. Et à ce moment-là, pour moi, passons à une autre dimension. Passons à une autre dimension. Vous savez pourquoi le monde se moque de nous? Vous savez pourquoi les personnes trafiquent et font des faux miracles? Vous savez pourquoi beaucoup de personnes vont voir le feu étranger pour vous mélanger? C'est parce que nous les gardons et nous critiquons. Les critiques ne changent rien. C'est une affaire de puissance contre puissance. Eux, ils font leur marmaille. Mais toi, tu viens avec la vraie authentique. Au temps de Jésus, il y avait des faux prophètes. Mais Jésus ne perdait pas son temps à attaquer les faux prophètes. Il manifestait des miracles pour marquer la différence. Yes. Le monde vient avec ses miracles, toi fais tes miracles. Come on. Si tu n'es pas capable de démontrer la puissance de Dieu, n'attaque pas celui qui fait sa marmaille. Hey. Yes. Merci papa. C'est une affaire de hôtel de prophète de Baal contre l'hôtel de l'Éternel de l'Église. Yes. C'est une affaire d'hôtel contre hôtel. C'est une affaire de puissance contre puissance. Hey. Si Pharaon vient avec les magiciens de l'Égypte, toi viens avec le bateau de Dieu. Pour une démonstration de puissance. Mon père, mon père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois révolté aujourd'hui. Je suis fatigué des personnes qui à chaque fois se plaignent. Telle personne a fait le feu étranger. Telle personne est allée voir le critique. Et je pose la question à cette personne. Toi, tu fais quoi? Merci. La question. Toi, tu fais quoi? Et sois le vous des mêmes. Ils sont allés voir au Nigeria, ils sont allés voir au Ghana. Mais toi, monte à la chambre haute. Hey! S'ils sont allés voir des féticheurs, toi, monte au ciel et reviens. Aïe! Aïe! Papa! Monte dans la présence et reviens. Ça doit te révolter de sa façon que le monde, parce que le monde cherche des miracles. Les gens cherchent Dieu. Les gens ont des problèmes. Ils sont fatigués de nos discours et nos prédications. Si quelqu'un se lève en Côte d'Ivoire avec la démonstration de la puissance de Dieu, l'authentique miracle, ces paralytiques se lèvent, yes. Des morts ressuscitent. Je dis l'authentique. Vous allez voir le relevé spirituel. Ah! Yes. La nature au roi du vide. Comment on va? Maintenant, regarde les autres et dis-leur, moi je traverse, moi je vous laisse derrière. Moi je traverse, je vous laisse en arrière ici. Sheikh Abadas. Al-Isi. Sheikh Abadahari. Al-Isi. Skelebron de Sey. Al-Isi. Rekabaya. Je reçois.
Raya Baba Seosha. Come on. Yes. Ils sont en train de regarder. Ils regardent. Regarde. Nous, on a notre dimension. Et le Seigneur, il s'en va. Il va traverser un long pas le noyer. Il va mourir dans l'eau. Quelle attente. Ils sont en train de regarder. Toi, tu as vu le vieux père Élie en train de secouer son manteau. Il n'a pas eu peur. Il secoue, puis frappe en jetant le Seigneur sur ses parents. L'affaire, est-ce que ça va prendre? Laisse-les, ils vont traverser ce que tu vas voir. Regarde ton voisin, Dieu, regarde-moi traverser. Oh, je veux t'emmener à une dimension. Moi, la vision que j'ai pour toi, c'est que tu te lèves avec une dimension forte de puissance. Amen, maman. Parfois, je veux que tu jettes même tes livres que tu as, tes diplômes et théologie. Écoutez, moi qui vous voyez, je n'ai jamais fait l'école pastorale. Je me confesse, je n'ai pas fait l'école pastorale. Je ne suis pas entré dans une école de théologie. Je n'ai jamais fait ça. Je ne suis jamais allé à une formation. Mais aujourd'hui, je suis professeur et enseignant dans les plus grandes écoles de théologie aux États-Unis. Oh, acclame le Seigneur pour ça. Acclamons le Seigneur pour ça. Au début, ils ne savaient pas. Elles pensaient que j'étais diplômé en théologie. Parce qu'ils ont vu le niveau de l'enseignement. Yes. Et ils voient que c'est équilibré. Je suis dans le miracle et en même temps j'enseigne. Si tu me demandes d'enseigner, je vais enseigner. Si tu me demandes de faire évangélisation, je vais évangéliser. Si tu me demandes de faire prophétie, pour ma fille, pour votre guérison, tout est équilibré. Aïe! Ils m'entendent enseigner. Ils me disent, deviens leur professeur toute l'année. Je dis, pas de problème. Au début de l'année, maintenant, je leur dis, je n'ai jamais fait d'école. Chant. On me demande, comment tu fais? Je dis, non. C'est la révélation. C'est la consécration qui provoque la révélation. Parce que les enfants lisent la Bible. Les adolescents méditent la Bible. Et les vieillards étudient la Bible dans la révélation. Je leur dis souvent, on a la même Bible, mais on n'a pas la même révélation. Yes! C'est sorti. On a la même Bible, mais ce n'est pas la même révélation. Tiens, avec moi, on traverse. Je vois cette autre dimension. Quelqu'un qui écoute ce message, tes prochaines prédications seront fire! C'est pas de l'information que tu vas donner. Même ton Jésus t'aime, ça va s'éteindre. Parce que les personnes qui sont éloquentes ne confondent pas l'éloquence et l'onction. C'est pas la même chose. Il y a des personnes qui sont instruites. Il ne faudrait pas l'instruction de l'instruction. Dans Actes, le chapitre 2, lorsque Pierre a commencé à expliquer avec audace ce qui s'est passé à la Pentecôte, les gens ont dit, mais ce sont les gens du peuple sans instruction. L'expression grecque de instruction, c'est ce sont les gens du peuple. Le mot grec, c'est idiotesse. C'est ça qui a créé le mot idiot. Ça veut dire que ce sont des gens idiots qui sont aujourd'hui en train de manifester la puissance de Dieu. Le verset continue en disant, mais on les reconnaît parce qu'ils étaient avec Jésus. Ils sont idiots, mais ils sont avec Jésus. Est-ce que je parle? Yes. Ils étaient idiots.
message a impacté le monde. Yes. Dis à ton voisin, on traverse. On traverse. On traverse. On traverse. Je te parle de révélation comme un. Yes. Ah, ah. Je te parle de révélation. Je reprends. Les enfants lisent la Bible. Les adolescents méditent. Les vieillards étudient avec révélation. Ah. On lit la même Bible, mais on n'a pas la même révélation. Yes. On lit la même Bible, mais on n'a pas la même révélation. Est-ce que quelqu'un veut rentrer dans la révélation? Yes. Est-ce que quelqu'un veut sortir du normal au surnaturel? Yes. Il faut que tu traverses. Yes. Il faut que tu traverses. Yes. Avant le Jourdain, tu es ami avec tous les fils des prophètes. Mais après le Jourdain, tu es seul avec Élie. Oh. Avant le Jourdain, tu travailles avec tout le monde. Yes. Mais après le Jourdain, il n'y a personne parce qu'il y a une séparation. À la manière, il y a une dimension. Yeah. Il y a un fleuve qui vous sort. Ça s'appelle le Jourdain. Qui s'appelle le Jourdain. Tu ne peux pas rentrer là-bas sans surnaturel. Yes. Yes. My God. Yes. Touche ton voisin, dis-le. On veut le surnaturel. Je ne suis pas en train de dire ne faites pas l'école de formation. Je ne suis pas en train de dire n'étudiez pas. Moi, je suis un étudiant, j'aime la parole. Mais faisons attention. Parce que quand Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas pour être normal. Parce que ce n'est pas le normal qui a l'influence. Yes. Le normal n'a pas de background. Si tu veux, my God, oui, dis ça bien. Si tu veux avoir de l'impact, deviens bizarre. Yes! Yes! Faut pas te laisser influencer quand les gens te disent que tu es trop bizarre. Parce que, au fait, c'est parce que tu es une espèce de rare. Yes! Yes! Deviens une espèce rare. Parfois, disparaît. Parce que, Quand tu es toujours disponible, on méprise l'onction que tu as. Tu parles bien, papa. Ce qui a de la valeur est toujours caché et indisponible. Tu ne peux pas trouver de l'or n'importe où et n'importe comment. Tu ne peux pas trouver le diamant n'importe où et n'importe comment. Quand ça a de la valeur, Dieu le même cache. Cache-toi un peu. My God. Il est dans une autre dimension. Comment elle a fait? D'où elle vient? Cache-toi souvent. Traverse le Jourdain. Laisse les fils de prophètes. Laisse-les dans leur critique. Laisse-les dans leur béret. Laisse-les dans leur affaire. Traverse. Monte. Yes. Seul à seul. Yes. Avec Élie. Et tu dis avec Élie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je te transmets quelque chose? Je parle aujourd'hui pour vous dire de sortir du lot des fils des prophètes. Sortez de là. Yes. Ne fais pas comme tout le monde. Je sors. Vous n'êtes pas tout le monde. Je sors. Si tu fais comme tout le monde, tu seras comme tout le monde. Tu vas abuser comme tout le monde. Sors. Je sors. Rentre dans le monde. Je sors. Rentre dans l'action. Yes. Rentre dans le miracle. Faut aussi rentrer dans le miracle. C'était une audace de suivre Élie à travers le journée. Faut oser. Dis à ton voisin, on va oser cette année. On va oser cette année. Ce mois de mai. Je vais traverser. Je suis fatigué. Je suis fatigué. De la situation de mon ministère. De la situation. Je vais traverser. Je vais traverser. Je vais monter. Et lorsqu'il traverse, on s'assoit. My God. Yes.
qui veut l'onction. Amen. Qui veut l'onction? Chacun la solo qui veut l'onction. My God, Élisée était un fils de prophète. À la différence avec un fils de prophète, il est devenu serviteur de prophète. Parce que le fils ne reçoit pas l'onction, c'est le serviteur qui reçoit l'onction. Le fils prophétise, mais le serviteur reçoit le manteau. Le fils voit des visions, il sait quand est-ce que Élie doit monter. Mais le serviteur reste attaché jusqu'à la fin. Le fils s'arrête au bord du Jourdain. Le serviteur traverse le Jourdain. Beaucoup de personnes sont des fils, mais n'ont pas appris à devenir des serviteurs. Lorsqu'on parle d'Élisée, on dit voici celui qu'on reconnaît avoir versé de l'eau sur les mains d'Élie. C'est ça qui marque la différence. Pourquoi est-ce que les autres fils de prophète ne suivent pas le prophète? Il ne peut pas suivre. Parce que lorsque Dieu veut libérer une onction sur ta vie, il te prédispose à une nature et un comportement. Les fils de prophète sont remplis d'orgueil. Ils ont leur petit ministère, ils ont leur petit orgueil. Ils ont leur petit royaume. Pour eux, c'est un royaume. Mais le serviteur dit, moi je laisse mon ministère et je suis mon ami. S'il quitte, il déménage de Gilgal pour aller à Bethel, je suis avec lui. Yes. Il déménage de Bethel pour aller à Jéricho, je suis avec lui. Il quitte Jéricho pour aller au Jourdain, je suis avec lui. Yes. Tant qu'il est là, mon âme aussi est là. Je ne vais pas le laisser. C'est ça la connexion. Je viens de transmettre. Lorsque l'onction de Dieu descend sur toi, tu dois suivre une vision. On a la vision du réveil. Traversons et puis arrivons. Amen. Après le Jourdain, quelque chose se passe. Vous savez, après le Jourdain, nous sommes dans le désert. Wow. Écoute-moi bien. Wow. Après le Jourdain, on est dans le désert. On n'est plus en Israël. On n'est plus sur la terre promise. On retourne dans le désert. On retourne. Aux pleurs. Le désert, c'est l'endroit où la promesse n'est pas accomplie. On n'est plus dans la terre promise. Au moment où tu dois recevoir l'onction, c'est là que tu vois que les promesses ne s'accomplissent plus. C'est là-bas que Dieu veut t'emmener. Où tu as l'impression que tout est sec. Que ton ministère est vidé, que financièrement ça ne va pas, que les gens pour qui tu as prié, ils ont disparu, et tu les retrouves sur Facebook, dans les églises, dans les méga church. Les gens pour qui tu as jeûné ne se manifestent plus, tu te sens sec. C'est là que Élie te pose la question, qu'est-ce que tu veux? Actuellement, tu as traversé le Jourdain. Écoutez, beaucoup de personnes sont des hommes de Dieu, mais peu sont ceux qui sont capables de traverser le Jourdain. Comment? C'est sorti. Traverser le Jourdain veut dire qu'il y a des choses que tu vas abandonner. C'est fini. Le Jourdain, c'est la frontière. Le Jourdain, c'est le symbole de la mort. Vous connaissez l'histoire du Jourdain avec Jean-Baptiste et Jésus. L'histoire du baptême. Le Jourdain, c'est la mort du ministère. Il n'y a pas un homme de Dieu que Dieu va élever tant qu'il ne le brise pas. Wow. Il va utiliser tous les moyens. Parfois tu penses que c'est le diable. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même. Tu as chassé le diable jusqu'à où c'était Dieu qui voulait te briser. L'homme jette ce qui est brisé. Mais Dieu ne se manifeste pas tant que quelqu'un n'est pas brisé. Quand Dieu commence à te briser, laissez-moi vous parler rapidement en une minute de l'état de brisement d'un homme de Dieu. Tu as l'impression que Dieu n'est pas avec toi. Tu as l'impression que parfois tu pries pour les autres, mais pour toi, tu n'as pas d'exaucement.
tout est fermé autour de toi. Oh, parfois tu veux prêcher, tu ne sens rien, tu ne sens aucune option, tu te sens vide. Tu regardes les autres ministères prospèrent. Mais quand tu regardes à toi, on dirait que Dieu n'est pas avec toi. Tu te poses des questions, tu cherches même quel péché tu as commis. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu te poses des questions. C'est ton désert d'onction que Dieu t'entraîne. Tu regardes, tu dis, mais Seigneur, comment est-ce que les autres prophétisent? Je ne vois pas. Dieu est en train de t'enseigner que la révélation n'est pas conditionnée, n'est pas connectée à tout ce qui est bruit dans ta tête. Mais Dieu, la première voix de Dieu, c'est le silence. Quand tu entends et quand tu sais entendre le silence de Dieu, tu peux comprendre la voix de Dieu. Parce que quand tu es intime avec quelqu'un, écoute-moi bien, quand tu es intime avec quelqu'un, si tu ne connais pas son silence, tu ne comprendras pas ses paroles. Quand Dieu veut se manifester et qu'il veut que tu comprennes sa parole, il permet d'abord que tu comprennes son silence. Écoutez-moi bien, quand Dieu vous parle par le silence, ça veut dire si tu penses que Dieu ne t'a pas parlé, ça veut dire qu'il t'a parlé déjà. Jesus. J'ai trop élevé le niveau. J'ai trop élevé le niveau. Voici Élisée en plein désert. Là où il n'y a pas de promesse. Là où il n'y a pas de bénédiction. C'est dans ce stade-là que tu es. C'est là maintenant qu'il demande. Qu'est-ce que tu veux? Dieu est en train de demander à une femme. Dieu est en train de demander à une femme, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit, Seigneur, je veux la double portion de ton esprit. Vous connaissez, vous êtes des hommes de Dieu, des enseignants de la parole. En hébreu, je suis juif. La double portion est apportée au premier fils qui reçoit l'héritage. Il est en train de dire, une manière de dire, je veux être ton fils premier-né. Je veux être ton fils premier-né. Et quand Élie n'a pas de fils biologique, je deviens là ton fils biologique. Élie le regarde, il dit, ce que tu demandes est trop difficile. Parce que tu n'es pas mon fils biologique. Vous allez comprendre que l'onction se transmet de père en fils. Je parle de manteau d'onction. Je ne parle pas de... je parle de... je parle de transfert d'onction. Et que tu n'es pas mon fils biologique. Je ne peux pas faire de toi mon héritier. Mais, si tu changes ta manière de voir, si tu le vois partir, il y a quelqu'un qui va recevoir une double portion ici. Si tu me vois partir, tu auras ce que tu as demandé. Yes. J'aurais voulu être Élisée ce jour. Si tu me vois partir. Alors Élisée doit concentrer ses yeux pour voir loin de Dieu parti. Dans un tourbillon. Quand on parle de tourbillon, vous connaissez, vous avez déjà prêché dessus. Quand on parle de tourbillon, le tourbillon ramasse la poussière. C'est le vent qui tourne, qui ramasse la poussière. Donc dans la poussière, il doit continuer de regarder. Qui peut ouvrir, qui peut garder ses yeux ouverts dans la poussière? La poussière parle de ça, c'est con. On marche la poussière, on néglige la poussière, on méprise la poussière. Pendant qu'on méprise loin de Dieu, toi tu dois voir l'élévation de loin. Jesus. Pendant qu'on voit la poussière, toi tu dois voir l'élévation de loin. Jesus. Pendant qu'on voit la destruction, on voit la saleté, toi tu dois voir le char. Le char de gloire. Donc, Élie, tu dois garder les yeux, même s'il y a la poussière qui rentre. Je m'en fous de la poussière. Moi, je sais ce que je veux. Je m'en fous du vent. Je sais ce que je veux. Tu dois garder les yeux malgré la poussière. Et pendant qu'il regarde, il crie, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Quelque chose se passe. Élie laisse son manteau et son manteau tombe.
Son manteau tombe à terre et Élisée ramasse le manteau. Oh God, Sakarian Tosso. Le manteau est à terre. Le manteau n'est pas au ciel. Qui sera capable de ramasser de la terre? Oh! Le manteau est à terre. Ça veut dire le manteau est méprisé. Le manteau est en bas des hommes. Qui va relever l'ancien relevé? Qui va relever l'ancien mouvement de Dieu? Qui va relever ce miracle? Ramasse. Et lorsqu'il a ramassé le même miracle qui a été opéré sur le Jourdain, il a opéré le même miracle avec le même manteau. Le verset 14. Lis le verset 14. Le verset 14. Il prit le manteau d'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu de Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Va au verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et il allait à sa rencontre et se prosternait contre terre devant lui. Voici ce qui va se passer. Quand tu reçois le manteau et l'onction, le surnaturel, ceux qui étaient tes promotionnaires vont devenir tes fils. Oh! Tous les autres fils de prophètes, ils sont des prières et ils voient le manteau d'Élie. Ils disent non, ce n'est plus le Élie qu'on a connu avant. Ça, c'est le nouveau Élie qui est là. Ils ont commencé à se procéder. Ça, ils l'ont pris maintenant comme père spirituel. Quelque chose est en train de se passer avec ce qui se passe maintenant. L'onction que je suis en train de libérer va faire de toi le nouveau père d'une génération. Amen. Hey, est-ce que je parle de quelqu'un ici? Yes. Je dis, il y a une onction qui tombe sur toi. Jesus. Parce que tu as traversé. Simplement parce que tu as traversé. Et que tu es sorti de leur lot, faut sortir du coup des critiques. Tu vas revenir avec un message de délivrance. Faut sortir de leur plan et revenir avec une dimension supérieure parce que tu viens avec un manteau. Amen. Parce que je parle à quelqu'un. Yes. L'onction du Saint-Esprit dans le monde spirituel, c'est comme l'argent. C'est comme l'argent. C'est comme l'argent. Ici sur la terre, tu es évalué en fonction de combien tu as en compte ou de combien tu as dans ta poche. Il y a des choses que tu peux t'offrir en fonction de, du montant d'argent que tu as. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Si tu as 100 000 francs, tu peux t'offrir quelque chose, mais tu ne peux pas acheter une voiture. Si tu as 5 millions, tu peux t'offrir une petite voiture, mais tu ne peux pas acheter la dernière Mercedes. Yes. Si tu as 60 millions, tu peux t'acheter deux villas, c'est sûr, mais tu ne peux pas acheter un avion. Est-ce que je comprends? Amen. Mais un milliardaire a un niveau où il peut acheter beaucoup de choses. Yes. Donc l'onction du Saint-Esprit, en fonction du niveau d'onction que tu as, il y a des miracles que tu peux voir. Yes. Yes. Il y a des révélations que tu peux avoir que les autres. Yes. Yes. Parce que toi, tu as plus d'options que quelqu'un d'autre. Yes. Quand on voit Élisée sortir avec le manteau, ça veut dire les finances spirituelles d'Élie. On dit non, 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 nous tous on se met en tableau. Je prophétise que je déclare. Quand tu sois riche en options, yes. Que tu sois un multi en que tu sois un milliardaire en l'onction, je prophétise que je déclare. Pardon. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Yes. Je déclare que tu es surnaturellement heureux. Je prophétise que l'onction de miracle est sur toi. Amen. Maintenant, dans cette position, laisse-moi invoquer la gloire et la grâce de Dieu sur toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui monte, il y a quelqu'un qui traverse. Il y a quelqu'un qui monte, il y a quelqu'un qui traverse.
Tu passes à un autre niveau, tu passes à une autre dimension. Quelque chose de surnaturel se produit. Tu es prêt pour traverser et tu es prêt pour revenir. Ils vont voir le manteau, ils vont voir la grâce, ils vont voir le surnaturel. Ils ne comprendront pas. Ils vont dire, mais c'est notre ami avec qui on a grandi à tout ici. Mais toi, tu viens avec un niveau d'onction, un niveau de grâce et un niveau de surnaturel. Je déclare au nom de Jésus, ton ciel est ouvert. Prions pendant 30 secondes. Je veux m'adresser à quelqu'un qui me traverse. Le ciel est ouvert. Le manteau est en train de tomber. La grâce est en train de tomber. Tu vas prophétiser comme jamais tu l'as expérimenté. Tu vas opérer des signes et des prodiges qui vont choquer le monde. Pendant que je parle, au son de ma voix, l'onction de miracle est en train de tomber sur toi en instant. Il y a quelque chose que tu vas expérimenter comme un feu, comme une onction, comme une huile sur ta tête. C'est le surnaturel de Dieu. Je vois l'onction qui
quitte l'onction qui quitte ma tête et tombe sur la tête d'une personne. Il y a quelqu'un qui va manifester des choses extraordinaires. Dieu t'a parlé. Le Saint-Esprit t'a parlé en songe et tu as vu mon visage. Tu m'as vu en train de te transférer quelque chose. C'est Jésus qui a pris mon image pour te visiter, t'avertir déjà. Et pour te dire que c'est l'onction que manifeste ce prophète-là. C'est cette même onction que tu es sur le point de manifester. C'est une onction de regret. Et toutes les personnes ici, tu es loin pour la démonstration. C'est pour cela que la sorcellerie a tellement peur qu'elle a décidé de te bloquer de t'attaquer. Souviens-toi que la maladie t'avait paralysé. Le diable avait décidé de t'arrêter. Mais Jésus manifeste sa gloire et sa grâce. Pendant que je parle, il y a une prophétesse dans la maison. Dieu t'a oint dans la révélation. Dieu t'a oint dans les songes. Mais maintenant, tu rentres dans la dimension des visions. Pendant que je parle, tes yeux sont ouverts à l'instant même et tu vois dans le monde spirituel. La gloire de Dieu se manifeste sur ta vie et tu es restauré maintenant. Une personne, tu es un homme de Dieu, un jeune serviteur de Dieu. Le Saint-Esprit t'a appelé et tu as dit, Seigneur, je veux manifester la voyance, je veux manifester la prophétie. Mais Dieu te dit, tu vas manifester plus que ça. Tu vas vivre le miracle surnaturel. Tout ce que tu as à faire, c'est de te lever et d'avancer. C'est de te lever et d'avancer pour le ministère. Tout ce que tu as à faire, c'est de rentrer et c'est d'obéir à Dieu. Je parle à une personne ici. Ton Dieu est en train de se tuer à ma gauche, dans la rangée de ma gauche. L'Esprit de Dieu t'a visité et est en train de te visiter pour entrer dans une dimension de surnaturel. Je pars et je pars et je pars. Et pendant que je pars, les portes du ciel sont ouvertes. Aide-le, aide-le, aide-le. Quelque chose se passe. Je vois l'ange de l'Éternel toucher sa tête et toucher ses mains. Tu reçois sa grâce sur ta vie maintenant même. Tu vois une personne sur qui la gloire de Dieu est en train de se manifester. Tu es terrible et tu es loin dans la démonstration de la puissance de Dieu. Tu vas vivre des choses que tu n'as pas compris et des choses qui vont choquer le monde. Mais pendant que je parle, tu t'es dit, Seigneur, permets que l'homme de Dieu me communique quelque chose aujourd'hui. Seigneur, permets que loin de Dieu me communique quelque chose aujourd'hui. Aidez, aidez, aidez. On risque de casser les chaises ici. Pendant que je parle, le ciel est ouvert et tu vois dans une dimension extraordinaire et surnaturelle. La gloire de Dieu se manifeste. Tu as dit, Seigneur, je veux l'onction qui est sur la vie de ton serviteur. Seigneur, j'ai vu Kakou Séléen, je veux manifester la même grâce. Seigneur, j'ai vu Jean-Marie Domingo, je veux manifester la même grâce. Le Saint-Esprit me charge de te dire, ton Dieu se manifeste sur ta vie maintenant. Il te remplit. Dans cette même atmosphère, il y a quelqu'un qui a reçu, mais tu dis, Seigneur, je veux plus. Seigneur, je veux plus. Seigneur, je veux plus. Je veux plus, une plus grande dimension. Il y a un amoureux de Jésus ici. Il y a quelqu'un qui aime tellement Dieu que tu as décidé de consacrer ta vie entière à l'évangile, au ministère. Mais pendant que je parle, il y a comme une connexion et il y a comme un transfert. Il y a comme si j'étais en train d'être parti avec une dimension profonde de la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un ici qui a dit, Seigneur, je veux non seulement la dimension prophétique, mais je veux la révélation. Je veux la révélation des Écritures. Dieu va se manifester. L'onction que j'ai pour voir et pour lire autrement la parole. Cette onction est en train de tomber sur toi comme si tes yeux étaient en train d'être ouverts. Les écailles sont en train de tomber. Et tu vois la gloire de Dieu se manifester. C'est l'heure du réveil. 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 Surtout, je veux dire que c'est ton heure. C'est ta saison. C'est ta saison. Yes. C'est ta saison. Yes. C'est ta saison. Yes. Come on. C'est ta saison. Au nom puissant.
Jesus,
Puissant. Je parle spécialement à une femme qui a été attaquée par la sorcellerie, oppressée, déstabilisée, mais tu es ointe par le Saint-Esprit. La raison pour laquelle tu as été attaquée, c'est à cause de l'onction prophétique, la grâce sur ta vie. Tu es tellement prophétique que tu es capable de voir la sorcellerie en songe. Et le diable avait décidé de t'arrêter. Mais je viens t'encourager pour te dire que l'onction de Dieu est sur toi. Une personne parmi nous a une alliance avec Dieu. Tu es une femme de prière et tu te réveilles tôt le matin pour la prière. 4h du matin, 3h du matin. Tu reçois un sujet de prière par songe et Dieu te réveille. Et au fait, tu es tellement prophétique que à cause de ta vie de prière, l'Esprit de Dieu t'emmène en 3 jours de jeûne, 7 jours de jeûne. Quand tu finis, l'Esprit de Dieu te ramène. Je parle à une femme prophétique ici. Et le diable avait décidé de t'oppresser, de t'attaquer. Mais voici l'heure a sonné pour toi de te réveiller spirituellement. Pendant que je parle, il y a un feu qui tombe sur ta tête. Il y a une onction qui tombe sur toi. Il y a une grâce surnaturelle. Une deuxième personne, une troisième personne. Tu es prophétesse, tu es prophétique. Tu parles par l'Esprit. Tu ne te connais pas toi-même. Je viens te dire que l'onction du Saint-Esprit est en train de manifester sa gloire et sa grâce. Tu es la délivrance de ta famille. Tu es la délivrance de ta famille. C'est pour cela que toutes les attaques de la famille se focalisent sur toi d'abord. Parce que tu es l'instrument de délivrance de ta famille. Il t'a oint pour la délivrance. Pendant que je parle, la gloire de Dieu se manifeste et se libère sur toi. Ton Dieu est en train de se manifester, ton Dieu est en train de te visiter, ton Dieu est en train de te bénir. Le diable veut t'arrêter, il ne peut pas, parce que tu es un instrument de gloire. Pendant que je parle, la gloire de Dieu est en train de se manifester, te visiter vers moi. Ton Dieu t'a touché, ton Dieu t'a visité, ton Dieu t'a restauré. La gloire de Dieu sur ta vie, il te restaure, il te restaure, il te restaure. Il te restaure, il te restaure, il te restaure, il te restaure, il te restaure sa gloire sur ta vie, sa gloire sur ta vie, son onction sur ta vie. Il est en train de te restaurer, il est en train de te visiter maintenant.
Il est en train de te visiter maintenant même. J'entends Esther, la main de Dieu sur ta vie. J'entends Stéphanie, ton Dieu t'a restauré. Quelque chose se passe. J'entends Dadji, quelque chose est en train de se manifester pour ta vie. Il a mis son onction, son huile sur ta vie. Le ciel est ouvert, c'est ta saison de manifester la gloire de Dieu. Monte et monte dans une dimension puissante. Tu es prophétique, femme de Dieu. Homme de Dieu, l'onction prophétique est sur toi. Dieu déjà le te dit, il ne t'a pas laissé, il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi, il manifeste sa gloire. Sa gloire sur ta vie maintenant. Sa gloire sur ta vie maintenant. Ne dis pas que tu es une jeune dame, ne dis pas que tu es insignifiant. L'onction de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit se manifeste pour toi. Ton Dieu est en train de te bénir. Tu n'es pas là en vain. Tu es en train de recevoir une onction pour le ministère. Tu es en train de te démarquer parce que tu n'es pas paré. Tu as une expérience différente. Ton Dieu se manifeste sur toi. Maintenant, pendant que je parle, il est en train de renouveler une personne. Reçois! Dans le nom puissant de Jésus. Et qui le porte. Raque à la marche que le monde. Dieu de miracle, Dieu de victoire, Dieu de restauration, Dieu de guérison. C'est fait. La grâce est sur toi. Tu es restauré au nom de Jésus. La puissance de Dieu te touche. L'onction de cet esprit te touche. Au nom puissant de Jésus. Au nom 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 de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia. On s'assoit dans la présence de Dieu. Il y a une grâce sur ta vie, il y a une action sur ta vie. Reçois, sois visité. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ça sert à la fin de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Yes, Daddy. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser les cris de victoire? Yes. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on commence. Alléluia. Dis à ton voisin, je traverse. Je traverse. Alléluia. Ce que vous avez reçu, c'est au
au-delà des manifestations que vous avez vues, d'être secoué, de tomber, non. Vous avez reçu quelque chose de divin, quelque chose de surnaturel. Allez fonctionner avec l'onction. Travailler avec l'onction. Les prochains points que vous allez exercer au ministère, ça sera une autre dimension. Je vous assure. Je vous assure. Allez assigner, vous pouvez commencer à réfléchir. Les stratégies qui vont venir seront des inspirations extraordinaires. Même en affaires, Dieu va commencer à vous inspirer. Même pour vos finances, vous aurez des idées de connexion. Parce que c'est une connexion sur la vie. Alléluia. Foncez comme des lions. Allez-y. Foncez. Faites-le, servez Dieu. On verra le potentiel. La Bible dit les fils des prophètes ont vu. Ils ont vu qu'Élisée avait l'esprit délicieux. Ils vont voir de leurs yeux l'onction sur eux. Allez-y. Allez-y. Est-ce que quelqu'un est prêt pour le réveil? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour le réveil? Amen. Alléluia. J'invite tout le monde à faire partie de ce mouvement de réveil. C'est ce que j'appelle le mouvement Élie-Élisée. L'onction qui se transmet, qui se manifeste. C'est ta saison. Soit différent des fils des prophètes, soit différent de tous les pasteurs. Il rentre dans la dimension de ton appel. Dis-moi bien un mot amen. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Dis avec moi, je suis prêt pour le réveil. Je suis prêt pour le réveil. Je suis prêt pour le réveil. Demain, de manière spéciale, pour ceux qui veulent bien, je vais communiquer, je vais transférer deux types d'onction. L'onction de la voyance et l'onction des miracles. Qui veut ça? Yes, sir. Ok. Vous ne croyez pas? Ou bien vous, ça vous intéresse pas? Qui veut être prophétique, tellement prophétique que rien ne touche? Yes, sir. Daddy, nous sommes là pour ça. Qui veut avoir la révélation et la voix de Dieu? Qui veut opérer dans les signes et dans les miracles? Yes! Demain ne manque pas sur mon niveau. C'est un transfert d'onction et un transfert de grâce. Je veux encore et spécialement prier pour chacun de vous. Prier avec chacun de vous et communiquer la grâce. Au sortir d'ici, vous allez être dangereusement différent. Alléluia. Et aussi demain pour ceux qui peut-être qui ne sont pas forcément dans le ministère, mais qui ont forcé à venir, on aura une science, après le transfert d'onction, on aura une science de prière pour les malades. Je crois que Jésus est le même qui est aujourd'hui éternellement. Qui croit ça? Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Qui veut qu'on organise des programmes pour secouer la commune de Bambou? Qui est d'accord avec? Amen. Alléluia. Alléluia. Je pose une dernière question. Qui veut que je sois une aide pour son ministère? Amen. Qui veut que je sois comme une aide? Comme un Élie et toi tu me réalises. Je suis disposé pour ça. Alléluia. En toute humilité, je viens vous dire, je suis disposé. Amen. Je veux vous aider. Et c'est ça l'esprit du rebelle. Alléluia. Tape à la main et quelqu'un dit je suis dangereux parce que j'ai traversé. Demande-lui combien tu n'as pas traversé aussi. Si tu n'as pas traversé, c'est que tu es resté fils de prophète. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bravo au bon juin 2028. Alléluia. Bravo au mouvement de réveil. En avant pour le réveil. Alléluia. Je vous invite ce vendredi. Non, laisse-le là-bas. Laisse-le là-bas. Amen. Alléluia. Demain, de manière spéciale, on va prier pour les malades. Laisse-le là-bas. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce vendredi,
dis à ton voisin vendredi, on a eu Google pour la nuit de la prophétie. Non, il n'a pas bien compris. Dis à ton voisin vendredi. Yokogon. La nuit de la prophétie. La nuit de la prophétie. Et après Yokogon. Après on vient encore. Yes! Tu vas bien avec la sainte nouvelle. Une nuit spéciale au tactique prophétique. Ah. Hey! Bon. Le commissaire qui est fait sera à terre rouge. Terre rouge. Yes! Vendredi, on a eu Pogo. Terre tchétché. Après tchétché, on a terre rouge. Hey! Hey! Pompoué sera secoué. Il faut que Pompoué soit secoué. Yes! Alléluia. Et je veux que tous nous faisons partie de ce mouvement de réveil. Et que tu ne regardes pas simplement à ton église, à tes murs, et que tu regardes au royaume. Alléluia. Depuis l'idée, la vision du mouvement de réveil, j'ai demandé à Pasteur, j'ai abandonné mon église. Je n'ai pas le temps pour eux. Je suis venu pour les âmes de la Côte d'Ivoire. Et on va aller ensemble. Et quand tu rentres dans le travail et dans la mission du réveil, dans l'évangélisation des âmes et dans le royaume, ton église, Dieu va visiter ton église de manière surnaturelle. Ça va, ce qu'il y aura d'aller tomber, c'est sûr. Alléluia. Alléluia. Touche ton voisin de lui, traversons le monde. Traversons. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a l'esprit d'Élie ici. L'esprit. Et le manteau est en train de tomber sur toi. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. On se prépare pour demain. Ne manque pas demain. Demain, je veux que tu invites, si tu as des collègues, pasteurs, tes amis, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, ou des personnes qui ont la soif de l'œuvre, invite-les demain à être impactés aussi. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer le Seigneur pendant que le papa est en train de partir s'asseoir? Lève-toi, ne reste pas assis, s'il te plaît. Si tu as quelque chose de la part de notre Père, s'il te plaît, lève-toi. Attends le Seigneur jusqu'à ce qu'il aille s'asseoir. 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 Alléluia. Acclamons Jésus de Nazareth, acclamons le Seigneur. Waouh! Dis à ton voisin, waouh! Dis waouh! Qui a senti des changements? Qui a senti quelque chose de surnaturel? Acclamons le Seigneur pour la vie de la nuit. Alléluia! Nous avons donc appelé tous la vie de la nuit. Amen. Tu vas bénir son ministère, tu vas bénir sa famille, tu vas bénir ses enfants. Comment s'élever la voix? La Bible déclare celui qui bénit Israël soit béni. Comment s'élever la voix? Recommence à rendre grâce à Dieu. Commence à bénir la vie de papa. Oh Seigneur, tu te vois, bénis ton père.